Ça alors, vous revoilà. Vous faites triste mine. Souriez, l'aventure vous attend. Je dois vous mettre en garde au sujet de quelqu'un, un homme qui a perdu toute bienséance. On le surnomme Pat la Hyène, et c'est le rat qui m'a tendu ce piège. C'est le genre d'individu qui trahirait sa propre mère. Si jamais vous le croisez, vous nous rendriez un grand service en l'envoyant à Patres. Bien, à votre guise. Mais il faut parfois savoir se faire plaisir. Rebonjour. Mais ne faites pas la sourde oreille. Je ne voulais pas vous faire de mal. Jurez. Allons, nous avons d'autres chats à fouetter. Ce puits là-bas est rempli de trésors. Mais j'ai un peu de mal à m'y aventurer moi-même. Allez-y, regardez. Il contient des richesses fabuleuses. Faut pas m'en vouloir, hein? Vous allez mourir de faim, puis je vendrai tout ce que je trouverai sur votre carcasse. Oh, my God.
Oh, c'est vous. Avez-vous débarrassé le monde du spectre dont j'ai parlé? Dieu vous a fait sien, et nous sommes reconnaissants. Umbasa. Désolé, je ne voulais pas vous faire ça. Il faut bien gagner sa vie, non? Laissez-moi une chance de me racheter. Il ne reste plus beaucoup d'humains. Il faut se serrer les coudes. Je sais. Tenez, en gage de mon amitié. Pas mal, non? Bonjour, je vous écoute. Que désirez-vous? C'est là que les barbares d'autrefois sacrifiaient leurs héros à la tempête. Trouver dans la mort les tempêtes de la vie, tel était leur credo. Mais il ne reste d'eux qu'une fine couche de poussière. Jamais je ne m'étais trompé à ce point, et je me dis pilleur de tombe. Quel déshonneur. Bien, à votre guise. Mais il faut parfois savoir se faire plaisir.
Ah!